Alors, la semaine passée, vous rappelez-vous de quoi on a parlé la semaine passée? Religion ou relation? Dieu nous offre une relation, pas une religion. Alors, il y a une grande différence entre quelqu'un qui suit une religion et quelqu'un qui poursuit une relation. Et la grande différence qu'on avait vue, c'est vraiment au niveau de l'attitude de cœur vis-à-vis Dieu. Celui qui poursuit une relation, son attitude de cœur est très différente de celui qui suit une religion. Pourquoi? Hein? Voilà, celui qui suit une religion... C'est de lui qu'il est question. C'est lui qui est au centre. Son intérêt personnel, ce qu'il recherche, ce qu'il veut. Puis là, si Dieu peut lui donner ce qu'il recherche et ce qu'il veut, bien, il est prêt à laisser une portion de lui-même, de qui il est, de son temps, de son énergie, de son argent et tout ça, à le donner à Dieu. OK, une partie seulement, comprenez? Ce qui fait mon affaire, ce qui négocie aussi avec Dieu, beaucoup de négociations dans la religion. Si je fais ça pour toi, vas-tu faire ça pour moi? Moi, je me rappelle d'avoir déjà, dans ma religion, autrefois, demandé des faveurs à Dieu, puis là, j'étais prêt à faire telle chose pour lui, tenant compte qu'il allait faire telle chose pour moi. Et là, si moi, je tiens mon côté du bargain, puis que Dieu ne tient pas le sien, bien, j'ai le droit d'être fâché contre Dieu. Comment se fait que moi, j'ai fait ça, je suis allé à telle place, j'ai fait telle affaire, j'ai pris telle décision, puis je t'avais demandé telle chose, puis tu ne me l'as pas donné. Comprenez? Et là, on n'est pas content. Parce que Dieu nous doit des choses. C'est ça la mentalité de la religion. Je fais des sacrifices, bien en retour, Dieu me doit des choses. Tandis que dans une relation, l'attitude est totalement différente. Dieu ne me doit rien, mais il m'a tout donné. Comprenez? Et quand je comprends ça, mon cœur est bouleversé et mon cœur renverse et mon cœur change. Mon cœur est impacté d'une façon incroyable parce que là, je réalise que Dieu m'a tout donné. Il ne me doit rien, mais en même temps, il m'a tout donné. Pourquoi qu'il m'a tout donné? C'est ça la question. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne me doit rien et il me donne tout? Pourquoi? Et la réponse, c'est? Eh bien, ça s'appelle de l'amour. Est-ce possible? Est-ce que ça existe? Un amour comme ça? Quand j'aurais dû mourir, quand j'aurais dû être puni, quand j'aurais dû être condamné, Dieu m'a plutôt pardonné, il m'a plutôt couvert, il m'a plutôt pris sous son aile, il m'a plutôt protégé. Et son fils, pour que je puisse avoir une relation avec lui et que je puisse l'aimer de tout mon cœur, de toute ma force et de toute ma pensée. Donc Dieu, lui, il s'intéresse au cœur. C'est pour ça qu'il n'est pas intéressé à la religion. Il est intéressé à la relation. Il sait que s'il a une relation avec nous, et c'est lui qui l'initie, c'est lui qui met la table, c'est lui qui fait tout pour qu'on puisse en avoir une avec lui. Mais quand il y a notre cœur, quand sa grâce a atteint notre cœur, a gagné notre cœur, parce qu'on réalise la grandeur de son amour, qui il est et qu'on le découvre, plus on le connaît, plus on l'aime. Et plus on le connaît, plus on l'aime, bien plus on veut le servir. C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu le sait. Alors il recherche nos cœurs. Et là, vous savez, c'est l'histoire centrale de toute la Bible. Donc, il y a un lien, il y a une continuité, disons, avec le thème de la semaine passée où on regardait religion ou relation. Et là, Dieu nous offre une relation, pas une religion, parce qu'il recherche notre cœur. Bien, celui qui poursuit justement une relation avec Dieu a compris que la raison d'être de sa vie est justement de connaître, d'aimer et de servir ce Dieu et de révéler la gloire de Dieu,
de dire à tous comment Dieu est grand. Et tantôt, je parlais justement avec un de ceux qui a été baptisé récemment. Je l'ai manqué, le baptême, on était en vacances. Mais tout ce qui témoigne, et ce qui témoignait encore dans le corridor, c'était, si quelqu'un ne croit pas au miracle, ben moi, j'en suis un miracle. Parce que j'étais un alcoolique, parce que j'étais un drogué, puis je suis libéré. Et ça donne gloire à qui, ça? Lui, il sait qu'il ne pouvait pas se libérer de ça. Mais pour lui, c'est clair que c'est Dieu qui l'a rencontré. C'est clair que Dieu a fait un miracle dans sa vie quand il a rencontré Jésus. Et Dieu a changé son cœur. C'est ça, la relation. Dieu change notre cœur. Et tout à coup, Dieu devient la personne principale dans notre vie. C'est plus de moi qu'il est question. De mon bien-être, de mes avantages, de mes privilèges. Mais c'est de Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux célébrer Dieu. Je veux dire à tous comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant et comment Dieu peut faire des miracles encore aujourd'hui. Et ça, c'est le témoignage d'une personne qui est entrée en relation avec son Créateur par Jésus-Christ. Laissez-moi vous poser une question. Certains diraient la question qui tue. Mais ce n'est pas la plus difficile. J'en ai une autre qui la suit. Alors, préparez-vous mentalement. Je ne veux pas vous piéger, là, pas du tout. Mais c'est une question de cœur. Parce que c'est ça, la relation. Ça touche nos cœurs. Et quand ça touche nos cœurs, ça touche tout. Mais la question, c'est la suivante. Désirez-vous glorifier Dieu? Interrogez-vous ce matin, là. Parlez-vous à vous-même. Est-ce que je désire glorifier Dieu? Présentement. Je comprends que ce n'est pas facile. Je comprends que parfois, on trouve ça quasiment impossible. Parfois, on est déçu de nous autres-mêmes. Je comprends tout ça, là. Je ne parle pas ici de performance. Je parle ici de désir. Avez-vous le désir de glorifier Dieu? C'est-tu quelque chose qui vient dans votre raisonnement, dans vos pensées de jour en jour? Moi, je veux glorifier Dieu. Moi, je veux que Dieu puisse être célébré dans ma vie. Moi, je veux que les autres voient que Dieu, il est important dans ma vie. Et que si les gens me font des compliments sur des choses que je suis, je veux que ça revienne à Dieu, ça. Parce que c'est lui qui agit dans ma vie. Donc, si je suis patient, si je suis aimable, si je suis généreux, si je suis de bonne humeur, c'est grâce à Dieu. Alors, je veux lui redonner à Dieu ça. C'est le désir dans mon cœur. Je veux que Dieu soit célébré. Je veux que les gens voient que Dieu est vivant dans ma vie. Désirez-vous glorifier Dieu? C'est pour ça que je dis que ce n'est pas la question la plus difficile. La plus difficile, c'est celle-ci. Jusqu'où désirez-vous aller pour donner gloire à son nom? Pensez-y, là. Jusqu'où je suis prêt à aller pour donner gloire à Dieu? Est-ce que vous désirez donner à Dieu un peu de gloire? Beaucoup de gloire? Et même le maximum de gloire? Peut-être c'est quelque chose que vous pourriez emmener dans la prière avec vous. Pas pour vous accuser, pas pour vous jeter à terre, mais c'est une question de relation. C'est une question de cœur. Dieu sait qu'on a de la difficulté, OK? Même hier, avec mon épouse, on parlait un peu, puis on revenait sur mon histoire de vie, sur la sienne.
depuis le jour où j'ai rencontré Jésus comme mon sauveur. Pas longtemps après avoir rencontré mon sauveur, j'étais en prison pour avoir fait un vol à main armée. Un chrétien fait un vol à main armée. Imaginez-vous s'il avait écrit, ça avait été écrit là. Un jeune homme né de nouveau, chrétien évangélique, a fait un vol armé à la caisse populaire de Shawinigan Nord. Vous auriez dit quoi? Ça se peut pas. Combien de gloire ai-je donné à Dieu? Hein? Combien de gloire ai-je donné à Dieu? Et savez-vous, je le dis, et c'est vrai, là, je me revois encore dans l'auto avec mon complice, une auto volée, une carabine tronçonnée, une 303, pas un fusil à l'eau, là, un bas de nylon sur la tête. Vous imaginez le scénario? Non, bas de nylon, on l'avait acheté quand même. Avec une casquette, là, genre, tu sais, des choses, des oreilles qui remontent en haut comme ça, là, en tout cas pour nous déguiser un peu. Savez-vous ce que j'ai fait avant de sortir de l'auto puis rentrer dans la caisse populaire? J'ai prié. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider à réaliser le vol à main armée. Imaginez-vous combien de gloire j'ai donné à Dieu avec mon complice. C'est un non-chrétien. En fait, il m'a écouté. Comme il écoute souvent nos prières quand elles sont centrées sur nous-mêmes. Il l'a retraduit dans ce qu'il savait qui était sa volonté. Et savez-vous c'était quoi sa volonté? C'est que je me fasse arrêter, que je ramasse en prison, et qu'en prison, Dieu m'a appelé à l'œuvre, au ministère à plein temps. Essayez de comprendre quelque chose là-dedans. Là. Où est-ce que j'ai donné gloire à Dieu? Mais là, c'est là que je vous dis que Dieu, là, malgré nos faiblesses, malgré nos mauvais choix, malgré nos erreurs d'imbéciles, hein? Malgré des choses qu'il ne peut pas cautionner, il ne peut pas mettre son étampe là-dessus et dire « Oui, ça c'est ma volonté, oui, ça je suis d'accord avec ça, c'est un bon choix que tu fais là, Benoît. » Malgré ces mauvais choix-là, malgré ces choses incroyables qui ne donnent pas du tout gloire à Dieu, Dieu peut les virer de bord puis donner gloire à son nom. C'est incroyable! Si je suis dans le ministère à plein temps, Dieu m'a appelé, moi c'est mon histoire de vie, je ne peux pas passer à côté de ça, je ne peux pas ignorer ça. J'étais en prison, c'est en prison que j'ai lu la Bible pour la première fois d'un couvert à l'autre. Imaginez-vous, c'est en prison que là Dieu a changé mon cœur. Par cette folie-là de mon cœur où je pensais pouvoir vivre ma vie à ma façon, en mettant Dieu de côté, en le laissant de côté, puis que là, j'allais vivre, puis que Dieu allait bénir quand même mes affaires. Donc, mes pensées étaient loin d'être renouvelées. J'étais un jeune croyant, et là, je me suis en allé dans une mauvaise voie, mais Dieu m'a récupéré. Et là, il a changé mon cœur, puis là, il a mis sur mon cœur ce désir brûlant de le connaître. Mais c'est en prison, un peu avant que dans le fond, j'aille en prison, parce que le temps entre l'action et que je me ramasse en prison, ça a été presque un an. Puis dans cette année-là, ben là, Dieu m'a ramené à lui. Savez-vous, quand je suis revenu au Seigneur, il y avait un baptême à l'église. Et celui qui m'avait évangélisé a été achalant, parce qu'il m'a appelé une fois, deux fois, trois fois. « Benoît, viens. »« Ah non, je ne vais pas. » Pourquoi tu veux pas? Ah, non, ils vont tous me juger, ils savent qu'est-ce que j'ai fait, c'est allé dans les journaux, puis non, viens, tu vas voir. Puis finalement, il était tellement chalant, qu'on a dit, OK, moi y aller.
Puis là, je suis allé. Et là, je me rappelle encore comme c'était hier. J'entends les témoignages. Je suis rentré là, un homme froid, un homme sur ses gardes, un homme brisé, un homme complètement déchu. Même si j'étais né nouveau, j'étais loin de Dieu. Mon cœur s'était refroidi complètement, parce que j'avais de la culpabilité, j'avais de la honte. Et l'ennemi voulait me garder dans cette culpabilité, dans cette honte. Mais quand j'ai entendu les témoignages, j'ai compris que Dieu était vivant et qu'il voulait une relation avec moi. Vous savez, une des premières choses que j'ai demandé au Seigneur, vous comprenez, j'étais un nouveau croyant. Je viens de faire de quoi d'épouvantable, de pas louable. Puis là, je ne comprenais pas. Parce qu'après aussi, ça, cette affaire-là, j'ai fait un gros accident avec mon auto. J'ai frappé un autre auto, un taxi en plus. Je n'avais pas de permis de conduire et je n'avais pas d'assurance. Un jeune chrétien évangélique fait un accident, pas d'assurance, pas de permis de conduire. Comment gloire ça donne à Dieu, ça? Zéro. Mais Dieu me cherchait. Il voulait me briser. Parce que quand je suis revenu au Seigneur, les premiers jours je suis revenu au Seigneur, puis que je demandais à Dieu, pourquoi, mais pourquoi tout ça, ça m'est arrivé? Vous voyez, j'étais même encore un peu centré sur moi. Pourquoi Dieu t'a permis tout ça? Pourquoi tu n'as pas empêché ça de m'arriver? Et ainsi de suite. Savez-vous le verset sur lequel je suis tombé? On était dans une réunion de prière dans les maisons à Shawinigan. À l'époque, j'étais à Shawinigan, et puis c'était Jean 15 et Jean 15, 5. « Je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce jour-là, j'ai compris une vérité tellement grande que sans Jésus, j'étais rien. C'était pas juste une vérité biblique, c'était une vérité profonde et pratique pour moi. Parce que j'avais essayé de vivre sans lui et je m'étais pété la gueule comme faut. Mais imaginez-vous dans ma peau, un jeune de 20 ans qui vient de faire ça, en plus qu'il y a eu un accident, pas d'assurance, donc poursuite judiciaire à ce niveau-là, pas de permis de conduire, procès pour vol à main armée. Je m'en vais où, là? Je fais quoi? Qu'est-ce qui me reste? J'ai tout gâché ma vie. M'en fait quoi dans la vie? M'en aller où? Et là, je me suis fait baptiser. Puis là, une des personnes avec qui je me suis fait baptiser était gérante d'un magasin de chaussures. Et là, elle m'a appelé. Elle m'a offert un emploi. Moi, j'étais en train d'avoir un procès, là. Vol à main armée. Elle m'a offert un emploi. Elle était chrétienne. Elle a vu que Jésus a fait une œuvre dans ma vie. Elle m'a offert un emploi. J'essaie de trouver un emploi partout. Je n'arrivais pas à trouver un emploi. Finalement, il arrive cette situation-là. J'ai un emploi. Et savez-vous ce que je faisais à mon emploi avant d'avoir mon procès et ma condamnation? Eh bien, elle me faisait faire les dépôts bancaires. Je vous dis, là, c'est pas une fausseté. Mon témoignage est vrai. C'était en fait la sœur de Charles et de Fernand Legendre qui sont ici. Elle me faisait faire les dépôts bancaires. Dieu a le sens de l'humour, hein? Mais Dieu avait transformé mon cœur. Dieu m'avait fait comprendre cette vérité, que j'ai besoin de demeurer en lui. Et que lui doit demeurer en moi.
C'est une relation, voyez? C'est à tous les jours. J'en ai besoin. Parce que sinon, j'y arriverai pas. Et là, je me suis confié en Dieu. J'ai confié ma vie entre ses mains, mon avenir entre ses mains. Et là, j'ai eu à subir les conséquences. Et comme je vous ai dit tantôt, Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa souveraineté, sa sagesse infinie, lorsque j'étais en prison, m'a appelé au ministère. Puis là, je pourrais vous conter ça, mais ce n'est pas nécessaire ce matin. Mais il m'a appelé au ministère dans ce contexte-là. Et là, il a donné gloire à son nom. Et c'est ça que Dieu veut faire avec chacune de nos vies. Et il sait où ce que vous êtes spirituellement. Il sait si vous luttez peut-être avec la culpabilité ce matin, ou la honte, ou la déception. Hein? Où vous ne voyez pas tellement que Dieu est aussi présent qu'il devrait être, que vous lui donnez autant de place. Et ce matin, pour moi, là, mon désir, c'est de vous dire, il vous attend. Parce que c'est ça l'histoire centrale de toute la Bible. Dieu est venu. Il est venu nous chercher, chacun de nous, en dépit de nous-mêmes, malgré nos péchés, malgré les échecs de nos vies. Il veut se glorifier à travers nous. Et ça, c'est une histoire fantastique de la Bible. Et Dieu nous invite ce matin à une relation quotidienne, régulière avec lui, où on veut s'approcher de lui, où on veut qu'il s'approche de nous et qu'il soit glorifié à travers notre vie. Vous savez, il y a deux déclarations. Ah, c'est vrai, le texte, on va le voir tantôt. Mais c'est Apocalypse 5, 9 et 10. Et il y a deux déclarations qui suscitent la réflexion. La semaine passée, on avait deux déclarations qui suscitaient la controverse. Cette fois-ci, c'est deux déclarations, mais qui suscitent la réflexion. La première, Max Lucado. Peut-être certains d'entre vous le connaissez, c'est un auteur connu, chrétien, il a écrit une multitude de livres, beaucoup en anglais, il y en a un certain nombre de traduits en français. Mais il a dit ceci, « Dieu a une liste de priorités qui commence avec celle-ci. » Autrement dit, la priorité numéro un sur la liste de Dieu, c'est révéler sa gloire. Pourquoi que c'est prioritaire, vous allez voir tantôt. On fait partie de ça. On fait partie de ce désir de Dieu, cette priorité de Dieu de révéler sa gloire. Dieu, en révélant sa gloire, c'est pas qu'il est égoïste comme nous, on pourrait être égoïste en voulant révéler notre gloire. Non, Dieu, lui, en révélant sa gloire, c'est qu'il nous introduit dans sa présence, c'est qu'il nous inclut dans sa priorité et qu'on est la mire, on fait partie de ce qui est important pour lui, de ce qu'il recherche à accomplir. La deuxième, qui est de Jonathan Edwards, qui est un homme qui a existé dans les années 1800, qui a participé à un grand réveil aux États-Unis. Il dit, « Dieu est pleinement glorifié en nous lorsque nous sommes pleinement satisfaits en lui. » Donc, lui, c'est comme... Il donne un élément sur ce que Max Lucado donne, que la priorité numéro un de Dieu qu'on voit dans la parole de Dieu, naturellement, c'est que Dieu veut révéler sa gloire. Ça, c'est... Il travaille à ça constamment. Toutes les décisions qu'il prend, tout ce qu'il fait, et même si vous vous rappelez, Jésus, quand il était sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Sa préoccupation à Jésus, sa priorité numéro un à Jésus, c'était quoi? De glorifier son Père. C'est pour ça que dans Jean 17, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre ». Tu vois? La seule chose qui était dans la pensée de Jésus constamment, c'était de glorifier son Père, de toujours glorifier son Père par toutes ses décisions, par tous ses choix, par tout ce qu'il a fait. Il n'a jamais rien fait qu'il n'a pas glorifié son Père. Alors, il était tellement en union avec son Père que pour lui, il ne pouvait pas penser à autre chose que de glorifier son Père. Mais ici, si on prend ce que Jonathan Edwards dit,
ce que Jésus a fait, c'est qu'il a pleinement glorifié Dieu parce qu'il était pleinement satisfait en lui. Trouver toute notre satisfaction en Dieu, pensez-y là, ça c'est de donner le maximum de gloire à Dieu. Dieu va être glorifié le plus lorsque moi, je vais trouver toute ma satisfaction en lui. Que je vais être pleinement satisfait, que mon cœur va être seulement même satisfait que si je suis en train de trouver cette satisfaction-là en lui. Ça, c'est ces deux auteurs-là. Alors, celui qui poursuit une relation avec Dieu est préoccupé par la question suivante, puis ça, je vous l'avais donné la semaine passée. Comment puis-je rendre Dieu attrayant? Comment puis-je le glorifier? Comment ma vie peut-elle glorifier Dieu au maximum? Alors, celui qui poursuit cette relation-là va aller tout le temps dans cette direction-là, avec cette question-là. Et là, l'histoire centrale de la Bible, c'est ceci. Dieu est le plus glorifié lorsque le plus grand nombre de gens sont pleinement satisfaits en lui. Donc, non seulement que Dieu est glorifié quand moi, je trouve toute ma satisfaction en lui. Ça, c'est une personne. Mais là où Dieu va être le plus glorifié, c'est quand il va avoir le plus grand nombre d'entre nous, de gens qui vivent sur la terre ou qui ont vécu sur la terre, qui trouvent pleinement toute leur satisfaction en Dieu. Quelle est la plus grande motivation pour la mission et l'évangélisation mondiale? Ça serait quoi? Ben, ça serait de glorifier Dieu au maximum. Et pour glorifier Dieu au maximum, comment on va faire ça? Ben, c'est en participant à la grande mission que le Seigneur nous a confiée de faire de toutes les nations des disciples. Donc, Dieu veut faire de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Parce qu'il veut être glorifié au maximum. Mais en étant glorifié au maximum, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un plus grand nombre de personnes qui vont justement pouvoir jouir de la présence de Dieu pour l'éternité. Voyez-vous comment Dieu partage sa gloire avec nous? Parce que s'il partage sa gloire avec nous, ça veut dire qu'il y a un grand nombre de personnes, justement, qui vont trouver leur plaisir en Dieu et leur plus grande satisfaction. Je vous fais une promesse ce matin. Peu importe où vous vous situez dans votre relation avec Dieu, peu importe si vous pensez que vous glorifiez Dieu comme vous devriez le faire ou qu'il y a encore beaucoup de place à beaucoup d'amélioration. Puis là, peut-être que ça vous travaille, peut-être que ça vous déçoit, peut-être que vous êtes attristé, vous ne comprenez pas. Puis c'est ça, c'est votre état d'âme ce matin. Mais je vous fais une promesse ce matin. C'est que vous allez y arriver. On va tous y arriver. Si on connaît Jésus comme notre sauveur personnel, si on l'a reçu dans notre vie, à un moment donné ou un autre de notre vie, Dieu va le faire en nous. C'est ça, la relation. Dieu va toucher notre cœur d'une telle façon qu'il va nous emmener là où il veut nous emmener. Et si on fait le bout de chemin qu'on peut faire sur la terre. Là, je vais vous donner un exemple là, qui n'est pas tout à fait juste, mais en même temps, on va dire, c'est une échelle de 1 à 10. 10, c'est d'être pleinement satisfait en Dieu. Dieu regarde mon cœur, puis je suis à 10. Ah oui, là, Benoît, il est pleinement satisfait en moi. Donc, je suis glorifié à travers la vie de Benoît parce qu'il est pleinement. Il est comme mon fils Jésus. Hein? Bon. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à 10? Moi, je pense qu'on arrive à 10 certains moments dans notre vie, peut-être. Puis dans ces moments-là, on est peut-être où on se sent le moins capable de glorifier Dieu. Et là, on est brisé. Et là, on pleure devant Dieu. On est conscient de notre faiblesse. On est conscient de nos manquements. On est conscient qu'on n'est pas là où on devrait être. Puis là, on pense que Dieu il est peut-être un peu déçu de nous autres. Ça, c'est la religion. Là, notre cœur, il pense comme de la religion. Parce que pour Dieu, il dit, non, regarde, moi, je me suis engagé. Vous rappelez la promesse dans Philippiens, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il va la rendre parfaite. Je vais le répéter le verset là. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il va la rendre parfaite. C'est-tu de vous que ça parle ou si c'est de quelqu'un d'autre? C'est de lui qu'il est question. Celui qui a commencé en vous au moment de notre salut,
le jour où on l'a reconnu comme sauveur personnel, il a commencé en nous une bonne œuvre. Bien, il va la rendre parfaite. Ça, c'est sa promesse. Fait que c'est sûr que si sur la terre, on n'est pas là où on devrait être, et on est tous dans ce bateau-là, hein, à un moment donné ou à un autre, il y a des journées que c'est mieux, des journées que c'est moins bien, mais Dieu travaille dans nos vies. Dieu veut créer en nous l'insatisfaction de ce monde pour qu'on puisse se tourner vers lui et trouver notre satisfaction en lui. Ça, c'est le travail de la sanctification. C'est le travail du Saint-Esprit dans nos vies. Mais une chose est sûre, c'est qu'un jour, on va trouver pleinement notre satisfaction en lui. Et si ce n'est pas ici sur terre, ça va être dans l'éternité. Le jour où on va être libéré de la réalité du péché et de cette chair qui nous habite encore. Et là, on va célébrer Dieu d'une façon incroyable. Amen. Amen. Alors, ne vous laissez pas décourager, frères et sœurs, et rappelez-vous comment Dieu peut transformer une situation qui semble décourageante à une situation qui, finalement, va le glorifier même encore plus parce qu'il est capable de transformer même nos mauvais choix en choses extraordinaires pour sa gloire. Alors, dans cette perspective, le défi, c'est en fait de lire la Bible ou de regarder la Bible, de comprendre la Bible comme un seul livre dans lequel il y a une seule introduction, une seule histoire et une seule conclusion. Puis je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je veux dire par là. Alors, l'histoire, elle commence où? Naturellement, elle commence dans la Genèse. Hein? Ça, c'est l'introduction, on la voit dans la Genèse. Et elle termine ou se poursuit et se termine dans le dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse. Donc, le verset que j'ai mis, le chapitre, ça, c'est justement cette conclusion. Mais on va commencer par l'introduction. Et l'introduction, on la voit dans Genèse 11, 1 à 4, où là, il y a une grande division. On sait qu'il y a la création, donc c'est pas là que ça commence. OK? Ça, c'est des faits que la Bible nous rappelle. C'est sûr que l'humanité a commencé là. Mais l'histoire elle-même n'a pas commencé dans la Genèse. Quoiqu'il y a eu le péché, la chute et tout ça, mais on voit que l'introduction de la grande histoire que Dieu raconte à travers la Bible, ça a commencé dans Genèse 11, 1 à 4. Qu'est-ce qui se passe dans Genèse 11, 1 à 4? Je vais vous le lire. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc, encore là, l'idée d'une seule langue. Ils dirent encore entre eux, « Allons! » « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. » Ici, c'est quoi qu'on pourrait dire? C'est l'émergence de la religion. Hein? C'est l'idée même de la religion. Faisons-nous, bâtissons-nous et on va des plans humains. Et on va réussir, on va se rapprocher de Dieu, parce que certains disent justement que le fait qu'ils bâtissaient une tour comme ça, c'est que cette tour-là allait s'élever vers le ciel et ils allaient être plus près de Dieu. Mais comment? Par des efforts humains, voyez, par leur propre plan humain. Alors ici, il n'y a pas des peuples, mais un seul peuple. Il n'y a pas des langues, mais il y a une seule langue. Il n'y a pas de nous autres versus vous autres, ça n'existe pas. Donc, ici, il y a un potentiel qu'on pourrait dire. Okay, si on est généreux, là, il y a un potentiel de glorifier Dieu. Mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème. Les hommes, nous dit le texte, étaient devenus orgueilleux. Ils ont cherché à être égaux à Dieu. Et ils refusèrent d'obéir au plan de Dieu. C'était quoi le plan de Dieu qu'il avait donné dans Adam et Ève? Vous rappelez-vous? Exactement. Et là, donc, eux autres, ici, ils voulaient faire les choses à leur manière. C'est ça, la religion. Parce que ça leur convenait. Ça semblait être bon pour eux autres, à leurs yeux. Mais Dieu avait dit, non, c'est pas ça que je veux. Je veux que vous alliez, que vous multipliez, que vous habitiez toute la terre. Donc, on voit ici déjà qu'ils allaient à l'encontre de Dieu. Donc, ici, ce qu'on voit à travers ce récit-là, que Dieu, pour protéger l'humanité d'un autre jugement, parce qu'il y a eu le déluge, il a provoqué la diversité des langues.
Et là, c'est ça qui a arrêté leur projet, ce qui a engendré la grande division et donné naissance aux nations et aux différentes langues. Et là, les groupes se sont séparés, ils ont commencé à aller à différents endroits. Pourquoi? Parce que là, s'ils ne se comprenaient pas entre eux, ils n'allaient pas pour rester à la même place. Alors là, c'est là que l'idée des nations a surgi dans la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a provoqué la division. On pourrait dire ici, la division a glorifié Dieu. C'est peut-être la seule division dans toute la Bible qui a glorifié Dieu. Hein? Parce que souvent, la division, comme ça dit dans Corinthiens, dans Jacques, c'est souvent à cause des passions qui surgissent dans nos cœurs. Là, les hommes se divisent, se chicanent entre eux, puis ainsi de suite. Autant dans les églises que dans les familles, dans les couples, dans les peuples, dans les sociétés. Mais ici, on voit que c'est Dieu qui provoque la division. Parce qu'il veut protéger, justement, l'humanité. Maintenant, est-ce que Dieu a abandonné son plan? Non, Dieu a encore un plan. C'est quoi son plan à Dieu? Sauver l'humanité, OK. Dieu veut être glorifié, oui. Regardez, son plan, c'est le suivant. Réunir à nouveau, en un seul peuple, des hommes de toute nation, de toute langue et de toute tribu, afin de célébrer Dieu ou célébrer la gloire de Dieu au maximum. C'est ça le désir de Dieu. Et dans le fond, une église où il y a justement plusieurs nations, plusieurs langues qui sont représentées, plusieurs cultures, bien, elle reflète cet aspect-là du plan de Dieu. Dieu n'aime pas la ségrégation, voyez? Dieu n'aime pas l'homogénéité. Hein? Il ne veut pas qu'on soit tous pareils. Non, il y a de quoi d'extraordinaire, il y a de quoi de divin, il y a de quoi de glorieux dans le fait que lui... Son plan, ce qu'il recherche pour donner gloire à son nom, c'est d'emmener des gens qui normalement ne seraient pas ensemble, qui humainement voudraient plutôt être divisés les uns des autres, chacun dans son coin. Mais non, là, il va les ramener ensemble. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on parle des Juifs et des Grecs. Il n'y a plus de Juifs ni de Grecs. Il n'y a plus d'hommes et de femmes, mais tous sont un en Christ. Et là, le conflit, l'animosité qui existait entre Juifs et païens, par exemple, donc Juifs qui étaient le peuple de Dieu, choisi selon la promesse et tout ça, et maintenant les non-Juifs, qui là, tout à coup, sont ramenés ensemble par Jésus-Christ pour former une seule Église, un seul peuple. Pourquoi? Parce que ça donne gloire à son nom. Une seule histoire maintenant. Donc, l'introduction, c'était dans Genèse 11. Et là, on voit que l'histoire, ici, commence dans Genèse 12, 1 à 3. Qu'est-ce qu'on lit dans Genèse 12, 1 à 3? Je vais vous le lire. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. » Donc, ici, ce qu'on voit, c'est la grande commission, où l'alliance de Dieu avec Abraham est divisée en deux parties d'égale importance. La première partie de l'alliance, on pourrait dire, c'est celle du haut. Tandis que la deuxième partie de l'alliance, c'est celle du bas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une partie qui est celle du haut ou celle du bas? Mais je vais vous l'expliquer. La partie du haut, c'est le désir de Dieu de bénir Abraham. La partie du bas, c'est le désir que Dieu a de bénir qui? Toutes les nations de la terre à travers Abraham. Donc, Dieu bénit Abraham, pas pour juste qu'Abraham soit béni puis qu'il se réjouisse des bénédictions de Dieu. Non, il bénit Abraham parce que par la bénédiction qu'il donne à Abraham, il va aussi bénir toutes les nations à travers cette bénédiction-là. Ça, c'est la partie du bas. Donc, Dieu bénit Abraham et Abraham, lui,
va être un outil entre les mains de Dieu pour bénir les nations. Maintenant, on comprend pourquoi, hein, vous comprenez? Qu'est-ce qui est venu à travers Abraham? Bon, il est venu le peuple de Dieu, hein, les Juifs, on sait. Les Juifs ont été le choix de Dieu. C'est Abraham qui est le patriarche de la nation d'Israël. Il y a eu des enfants, puis à travers ses enfants, ben, ainsi de suite, comprenez? Puis là, à travers la nation d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est venu? Bien, la promesse de Dieu, c'était que le Messie allait venir à travers. Donc, voyez, donc Dieu allait bénir toutes les nations, parce qu'en bénissant Abraham, bien, le Messie allait venir. Et le Messie allait bénir toutes les nations. Attirer toutes les nations à lui, pour qu'il puisse avoir une relation avec Dieu. Voyez, la partie du haut de l'Alliance, c'est le désir de Dieu de nous bénir à travers Abraham. Et ça, on pourrait dire, c'est la grande commission de l'Ancien Testament. C'était déjà là. Tu sais, pour nous, la grande commission, ça, c'est où que ça vient, ça? Matthieu 28. Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » On pense que c'est nouveau, ça. C'est pas nouveau, c'est déjà là. Dieu l'avait déjà. Dieu voulait se servir de son peuple pour qu'à travers son peuple, les nations puissent glorifier Dieu, puissent comprendre que Dieu, c'est l'Éternel, c'est l'unique, c'est le Créateur, c'est votre Sauveur. Et là, Dieu voulait se servir de la nation d'Israël. Donc, il y avait déjà cette idée de l'Ancien Testament que Dieu voulait se servir d'Abraham et du peuple de Dieu pour bénir aussi les nations autour de nous. Tandis que nous, bien, comme j'ai dit tantôt, c'est à travers Jésus, l'Église est l'outil par lequel maintenant Dieu veut bénir toutes les nations. Donc, Dieu veut se servir de nous pour qu'on puisse inviter les gens à entrer en relation avec Jésus. Ça fait partie de son plan. Parce que lorsque les gens entrent en relation avec Jésus, ça donne gloire à Dieu. Et le plus grand nombre de gens qui entrent en relation avec Jésus, bien le plus de gloire Dieu va recevoir. Et est-ce que nous, on est perdants là-dedans? Ah ben non! Parce qu'on rentre en relation avec lui. On est béni de le connaître. On est béni d'avoir la vie éternelle, le pardon de nos péchés, d'avoir cette assurance, cette paix qu'il veut nous apporter, cette joie, cette libération. Il veut nous libérer de fardeaux. Il veut nous libérer de choses qui nous jettent à terre, qui nous font du mal. C'est ça que Dieu veut faire par son salut, par sa présence dans nos vies. Il veut même, comme il disait à Israël, nous donner un avenir et de l'espérance. On continue. Cette notion du haut et du bas de l'Alliance est présente à travers toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et ça, c'est l'histoire de la rédemption. Et là, si on regarderait des passages dans l'Ancien Testament, par exemple, comme Ésaïe 25:6 ou Daniel 7:14, où il parle déjà des nations, que Dieu allait attirer les nations à lui, c'est présent dans l'Ancien Testament. On le voit aussi avec Jésus, par exemple, dans Luc 24:45-48, Jésus a divisé toute l'Écriture ici en deux parties. La partie du haut de l'Alliance puis la partie du bas. La partie où Dieu allait bénir Abraham puis la partie où Dieu allait bénir toutes les nations à travers Abraham. Et ça ici, Jésus met ça ensemble. Pour lui, c'était clair que ça faisait partie du plan de Dieu. Et naturellement, Matthieu 28, 18 à 20, où là Jésus, d'une façon claire et nette, dans sa dernière volonté, dit à ses disciples, « Voici maintenant, mais attendez la puissance, mais allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous allez recevoir une puissance, ça va venir de Dieu. Vous ne ferez pas ça par vous autres mêmes, vous ne ferez pas ça dans vos propres efforts. Essayez pas ça, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, vous allez voir, les portes vont s'ouvrir. Oui, vous allez être persécutés. Oui, vous allez devoir payer le prix pour me donner gloire. Oui, il y en a qui vont vous rejeter. Oui, il y a même des divisions qui vont arriver dans des familles à cause de moi. Parce que je ne suis pas venu apporter la paix dans les familles. Non, la division. Pas parce qu'il veut la division, mais il sait que le message de l'Évangile va provoquer, comme il dit, Jésus est la pierre d'achoppement sur laquelle même son peuple juif a trébuché. Parce qu'ils ont refusé la relation. Ils ont refusé l'invitation de Jésus d'entrer en relation avec son Père à cause de ce qui est
à cause qu'il était le Messie lui-même. Alors ça, c'est présent dans toute la Bible. Maintenant, une seule conclusion. Donc, il y avait une introduction, Genèse 11, il y avait une histoire, Genèse 12, et là maintenant, la conclusion. C'est la grande finale, qu'on pourrait dire, dans Apocalypse 5, 9 à 10. Et là, je vais vous le lire. Où là, Dieu nous ouvre cette fenêtre qui s'en vient. Elle est peut-être plus proche qu'on pense. Elle s'en vient. Et essayez de vous imaginer, là. Elle s'en vient. Ça va arriver. Je vous fais une autre promesse. Ça va arriver. Je ne mens point. La parole de Dieu est vraie. Le témoignage est vrai. Ça s'en vient. Ça dit ceci. Et il, au pluriel, chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, des femmes, naturellement, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Imaginez-vous, là, c'est nous autres, là. C'est de nous autres qui parlent ici, là. Hein? Et un jour, on va célébrer de cette manière la grandeur de Dieu. Et cette scène-là, vous savez, va donner toute la gloire à Dieu. Dieu va être glorifié au maximum, comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Dieu va avoir été glorifié comme à ce moment-là. Et ça va être extraordinaire. Ça va chanter, là. Ça va être extraordinaire. Ça va être, je dirais en bon québécois, ça va être écœurant. Comprenez? Moi, je vais chanter, là, vous allez voir. Là. Il y en a qui vont avoir mal aux oreilles tellement que ça va sortir de mon cœur. Il va y avoir une puissance dans ma voix que je n'ai jamais eue. Parce que là, tout à coup, imaginez-vous la scène. Là. On est dans l'éternité. Et là, on réalise là, la grandeur et la portée du salut qu'on a reçu en Jésus-Christ. Je vais vous dire, ça va chanter. Ça va être quelque chose. Et en passant, Joseph, j'ai une demande spéciale pour le dernier chant. L'Éternel règne. Amen. Puis là, il faut le chanter, là, avec les hommes, les femmes, tu sais. L'Éternel règne, il est sur son... juste les femmes, OK? Les hommes, en premier, juste les hommes, après ça, les femmes. C'est-tu l'inverse? Ah oui, c'est vrai? On va le faire à cappella. À cappella? Ça va être... Puis là, on finit le dernier, là, et là, tout le monde chante ensemble. Hein? Vous êtes d'accord? Il me semble que là, il me semble qu'on va vivre un petit peu d'Apocalypse. Je pense que c'est le chant qui va chanter, là. Parce que ça ne dit pas le chant, là. Hein? Un cantique nouveau. Non, c'est vrai, c'est un cantique nouveau. Hein? Ah, tu l'as en plus? Ah, c'est encore mieux. Fait que c'est un cantique nouveau. Peut-être pas un nouveau dans le sens qu'on ne le connaît pas, mais nouveau dans le sens qu'on célèbre... Hein? On célèbre la grandeur de Dieu à cause de l'agneau qui a été immolé. Ça doit être ça, chanter. En tout cas, moi, j'ai une demande spéciale, Seigneur. C'est l'Éternel règne. OK? Fait qu'on va voir, là. Ça, je peux pas vous garantir que ça va être celle-là. Mais il va être beau, ça n'aura pas de bon sens. Alors, voilà. Dieu recevra le maximum de gloire lorsqu'il aura attiré à lui le maximum de nations, de langues et de tribus. Apocalypse 19, 6 aussi va dans le même sens que Apocalypse 5, 9 et 10. C'est là que Dieu reçoit le maximum de gloire. Quel sera le dernier signe avant la grande finale? Parce que ça ici, il nous parle de la grande finale, où là on va célébrer la gloire de Dieu avec toutes ses nations, ses langues, ses peuples. C'est quoi le dernier signe que Jésus a donné avant que la grande finale arrive? Rappelez-vous, c'est dans Matthieu, chapitre 24, verset 14. « Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Donc, la proclamation de l'Évangile, c'est prioritaire. Et non seulement au Québec, non seulement aux États-Unis, non seulement au Canada, non seulement en Europe, mais toutes les nations. Et ça, c'est ici ce que Jésus disait lui-même. Et là,
la grande finale va se produire. Donc, Dieu veut atteindre toutes les nations pour que la grande finale de l'histoire puisse arriver. Et c'est seulement à ce moment-là que Dieu aura tenu sa promesse qu'il a faite à son serviteur Abraham, qu'il allait bénir toutes les nations à travers lui. Dieu tient ses promesses et il est en train de la réaliser. Est-ce qu'on en est conscient? Plus la Bible ou une portion de la Bible est traduite dans une langue, plus ça fait partie de Matthieu 24, 14 et du plan de Dieu d'atteindre toutes les nations avec l'Évangile. Et vous savez, il reste du travail à faire. Il y a encore beaucoup de peuples, parfois des peuples peu nombreux, des tribus moins nombreuses, tout ça, mais Dieu veut aussi qu'ils entendent l'Évangile, qu'elle soit proclamée, et que ceux qui sont destinés à la vie éternelle puissent entrer en relation avec Jésus. La dernière fois, la semaine passée, on avait regardé la stratégie de l'ennemi. Rappelez-vous, c'était quoi la stratégie de l'ennemi par rapport à religion-relation? L'ennemi avait une stratégie. L'ennemi essayait de renverser les choses. Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Parce que Dieu, lui, dans son désir de relation, il veut qu'on soit tout yeux sur lui, hein? Qu'on puisse prendre plaisir en lui. L'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Lui, il voulait qu'on prenne plaisir dans les présents de Dieu. Dieu veut qu'on prenne plaisir dans sa présence, qu'on recherche sa présence, mais l'ennemi, lui, il veut que les présents de Dieu deviennent plus importants que la présence de Dieu. Donc, les bénédictions de Dieu que Dieu voulait donner à Abraham en passant, hein? C'est pas que Dieu a quelque chose contre les bénédictions, mais il veut pas que ça devienne la raison d'être de notre vie. Parce qu'il sait que si on vit pour les bénédictions, pour les présents, pour les choses de ce monde, les choses matérielles et ainsi de suite, qu'on va se perdre là-dedans. Notre cœur ne sera pas heureux là-dedans. On a besoin de la présence de Dieu. On a besoin de la relation avec Dieu. Alors donc, ici, la stratégie de Dieu est radicale et efficace. Qu'est-ce que Dieu veut faire, vous pensez? C'est sûr que ça touche le cœur, parce qu'on a vu la semaine passée que la différence entre celui qui suit une religion et celui qui poursuit une relation, c'est l'attitude du cœur. Donc ici, qu'est-ce que Dieu, vous pensez, il veut faire? Bien, il veut justement transformer. Lui, il veut aller à nos cœurs. Il veut transformer le cœur des hommes pour qu'ils jouissent. Et là, ici, l'idée, c'est se passionne de ce qui est très important, essentiel, c'est-à-dire sa présence, sa gloire, et se réjouisse, c'est-à-dire apprécie ce qui est moins important, secondaire, c'est-à-dire ses présents, ses bénédictions. Voyez-vous? Dieu, lui, il sait qu'on a besoin d'une transformation de cœur. Il sait qu'on a besoin que les affections de nos cœurs, que si je prends plaisir dans quelque chose, c'est pas que c'est mal. Vous voyez, Dieu, il dit qu'il nous donne toutes choses pour qu'on en jouisse. Donc, Dieu, il est pas austère, il est pas dans le désert, là, il est pas dans la restriction, puis tout ça. Ça, c'est de la religion, là. Tu sais, il faut affliger notre corps, puis il faut le priver, puis il faut le traiter, puis tout ça, puis ainsi de suite. Non, non. Mais en même temps, il ne veut pas que ça devienne l'important dans notre vie. Vous voyez? Les bonnes choses qu'il nous donne doivent rester secondaires. Et ce qui devient important, essentiel pour nous, c'est lui, c'est sa présence, c'est de glorifier son nom. Vous savez, l'homme né de nouveau est entré en relation ou en union avec Jésus par la foi. Donc ça, c'est le fruit de la nouvelle naissance. Cet homme-là tombe en amour avec Dieu. Et cet amour-là est appelé à grandir, à mûrir, à s'approfondir. Et dans cette relation-là qui se développe avec Dieu, parce que là, il est entré en relation avec Dieu à travers la nouvelle naissance, ses désirs et ses aspirations subissent une transformation en profondeur au fur et à mesure qu'il développe sa communion avec Jésus. Donc, on rentre en union avec Jésus. Et ensuite, on est invité à développer notre communion avec lui.
Et quand on développe notre communion avec lui, c'est là où notre cœur commence à changer. Les désirs même de nos cœurs commencent à changer. Ce qui nous fait saliver change. Ce qui nous anime change. Ce qui est important à nos yeux change, et ainsi de suite. Et là, une nouvelle tendance émerge alors en nous. On vit et on pense de manière à voir que tout tourne autour de Jésus. Que ce soit la vie, le travail, la famille, les relations, la température, l'univers et même la mort. Même la mort prend un tout autre sens. Parce que pour une personne qui grandit dans sa relation avec Jésus, de plus en plus, tout tourne autour de Jésus. Et je dirais même que ça devient la position par défaut de son cœur. Ça devient quelque chose qui me caractérise. De plus en plus, c'est que Jésus est de plus en plus important à mes yeux. Je le consulte de plus en plus souvent. Je recherche sa présence de plus en plus souvent. Et j'aime ça être avec lui de plus en plus souvent, de parler de lui de plus en plus souvent, et ainsi de suite. Et là, le résultat, c'est ceci. L'homme né de nouveau, en union et en communion avec Jésus, passe de l'importance d'accumuler les présents et les bénédictions de Dieu à l'importance de manifester la présence et la gloire de Dieu au maximum. Amen! Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. C'est progressif, mais c'est l'œuvre que l'Esprit veut produire dans nos vies. Et là, un petit moment de réflexion. Comment glorifier Dieu au maximum? Il y a au moins trois choses que je vois puis que j'ai partagées pendant le message. La première, c'est être au maximum satisfait en lui. Ça me touche personnellement, c'est entre moi et Dieu. Alors, plus je suis satisfait en lui, plus je donne gloire à Dieu. Ça va être instantané. Lorsque Dieu opère ça en moi, où là, il me transforme, puis il m'aide dans ma relation avec lui, puis mes aspirations sont de plus en plus tournées vers lui, et je veux de plus en plus glorifier son nom et de moins en moins faire ce qui déplaît devant lui. Il y a cette force en moi que je ne sais pas d'où ça vient, mais ça fait ça. Et puis là, ça donne gloire à Dieu. Alors, ça, c'est encore là l'œuvre de son esprit en nous. Une deuxième façon qui est compréhensible avec ce qu'on vient de voir, c'est d'aider le maximum de personnes à entrer en relation avec Jésus. Ce qui est d'ailleurs notre vision d'Église, aider toute personne à entrer en relation avec Jésus. Voyez? Parce qu'à travers cette relation-là, qu'est-ce qui va arriver? On va grandir, on va partager notre foi, puis on va servir. Alors ici, de faire partie du plan de Dieu, voyez, de voir des hommes, des femmes venir à Jésus et d'entrer en relation avec lui. Et dernièrement, de participer à la grande commission de faire de toutes les nations des disciples. Le maximum de disciples qui prendront plaisir en Dieu au maximum. Donc, je peux aider personnellement, puis je peux participer aussi à la grande commission, tout comme je peux laisser Dieu me rencontrer et changer mon cœur pour que je puisse lui donner gloire. J'ai invité Joseph à venir, puis j'aimerais juste vous conter, en fait, un peu donner un petit témoignage de ce que Dieu a fait dans le cœur d'une personne, d'un homme avec qui j'ai eu quelques rencontres au cours de l'année. Puis, à une de ces rencontres, parce que dans le fond, il exprimait son désir de justement avoir une meilleure relation avec le Seigneur, puis de désirer cette relation-là et de revivre même ce qu'il avait déjà vécu au courant de sa vie chrétienne. Puis là, c'est comme si les choses avaient changé, quelque chose comme ça. Fait que, vous savez, dans la prière, on est en train de prier, puis là, moi, je demande à Jésus des choses. Je demande à Jésus comment est-ce qu'il va son cœur. Je demande à Jésus qu'est-ce qu'il aimerait lui montrer. Puis, savez-vous ce que Jésus lui a montré? La première chose qu'il lui a dit, il dit ça. C'est drôle, c'est comme si Jésus dit,
que ce n'est pas de lire ma Bible qu'il veut. Hein? OK. Puis, c'est pas non plus de ne pas aller dans mon monde où là, ça m'aide à m'évader un peu, puis là, je pense à des choses, puis... Non, ça, il dit, ça, c'est pas ça qui le tracasse. Puis il dit, ah, c'est drôle, il me dit aussi, c'est pas aller dans mon sous-sol pour me réfugier quand j'ai besoin là, de quelque chose qui va me faire du bien. Ça, il n'y a pas de problème avec ça, non plus. Ah, il dit, c'est drôle. Là, il dit, je vois mon fils. Mon fils qui vient me voir. Puis là, il y avait des émotions. Son jeune garçon qui vient vers lui, tout excité. Papa, 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 viens jouer avec moi, papa, papa. Puis là, il dit, moi, je suis là, puis là, je le vois, puis ça, puis... Puis là, quand je le vois comme ça, qu'il veut être avec moi autant, bien là, il dit, je laisse tout ce que j'ai à faire, puis il dit... Puis là, il dit, je me rends compte que c'est ça que Dieu veut faire avec moi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin que Dieu vienne montrer à quel point il veut être avec moi. Mon cœur a besoin de ça. Et savez-vous pour moi ce qui m'a bouleversé? C'est comment Dieu ensuite lui a redonné goût de lire la Bible. De passer du temps avec son garçon, du temps avec son épouse. Simplement parce qu'il a révélé que ce qu'il avait besoin, Dieu était capable de lui donner. Et pour moi, un simple être humain comme lui, je suis bouleversé à l'idée que Dieu veut jouer le rôle de ce petit garçon qui vient vers son papa tout excité puis dit « Viens jouer avec moi, viens jouer avec moi, viens jouer avec moi. Papa, je suis là, viens jouer avec moi. » Puis là, ça réchauffe le cœur. Et là, on veut y aller. Que Dieu veuille jouer le rôle d'un petit garçon, ça nous montre à quel point il est dans la relation. Puis à quel point il veut rejoindre nos cœurs, là où on est. Même si des fois on est triste, des fois ça ne marche plus notre affaire. Des fois on sent que notre cœur, il y a quelque chose qui a lâché. Mais Dieu veut nous rencontrer quand même. Et il sait comment gagner votre cœur, vous savez? Dieu sait comment gagner votre cœur. Et ce matin, ce que j'aimerais vous laisser, c'est que Dieu vous cherche. Et ce qu'il cherche, c'est votre cœur. Ce qu'il cherche, c'est votre amour. Et pour ça, il va vous montrer à quel point il vous aime. Il va vous montrer à quel point que pour lui, là, vous êtes la prunelle de ses yeux. Et qu'est-ce que vous avez besoin, il est prêt à vous le donner. Parce qu'il veut une relation avec vous. Puis il veut une relation qui bouillonne dans votre cœur. On va se lever ensemble. J'aimerais ça prier. Puis après ça, on va chanter ensemble « L'Éternel règne ». J'aimerais ça prier ce matin. Seigneur Jésus, je suis ici ce matin avec mes frères et sœurs. Je suis ici ce matin avec des visiteurs. Je suis ici ce matin avec même des gens qui écoutent sur Internet ce message. Toi, Seigneur Jésus, tu connais chacun des cœurs. Tu nous connais chacun de nous. Tu sais où on est. Tu sais ce qu'on vit présentement. Et j'aimerais te prier, Seigneur, pour que par ton Saint-Esprit, par la puissance qu'il y a dans ton nom, par la capacité que toi, tu as de rejoindre un cœur et de te faire connaître à ce cœur, de rejoindre ce cœur-là qui pleure, ce cœur-là qui est découragé, ce cœur-là qui est triste, ce cœur-là qui vit de la culpabilité, de la honte, ce cœur-là, Seigneur, qui ne se sent même plus la force de s'approcher de toi. Seigneur Jésus, j'aimerais que par la puissance de ton Saint-Esprit, parce que tu es vivant, Seigneur, j'aimerais que tu puisses faire entendre ta voix. Comment veux-tu rejoindre, Seigneur, celui qui est découragé ce matin? Comment veux-tu rejoindre celle qui se demande si tu l'aimes encore? Ou si ce qu'elle a fait, c'est tellement pas correct que c'est impossible que tu puisses l'aimer? Comment veux-tu te faire connaître, Seigneur, à cette personne-là? Enlever, Seigneur, ce rideau, ce mur, ce mensonge, cette honte, cette culpabilité. Seigneur Jésus, ce que je te demande, Seigneur, c'est de te révéler.
de te révéler comme tu as promis que tu allais te révéler à ceux qui allaient entrer en relation avec toi, à ceux qui allaient s'approcher de toi. Tu allais faire entendre ta voix parce que tu connais tes disciples et tes disciples te connaissent. Tu connais tes brebis te connaissent et tu leur fais entendre ta voix, Seigneur Jésus. Je te demande, Jésus, viens. Tu es venu au secours dans ma vie à tellement de reprises. Tu viens encore à mon secours, Seigneur Jésus, quand j'ai besoin, quand mon cœur est triste, quand mon cœur tremble à l'intérieur, quand je pense que ça donne quoi, à quoi bon. Seigneur Jésus, tu sais me rencontrer. Je sais que tu peux rencontrer chacun de ceux et de celles qui, ce matin, sont en train de se demander, Seigneur Jésus, t'es-tu là? Est-ce que tu es là, Jésus? Peux-tu, Seigneur, ce matin, faire entendre ta voix? Réchauffer le cœur, toucher le cœur de celui qui pleure à l'intérieur, de celui qui est découragé. As-tu une promesse, Seigneur Jésus, ce matin, que tu aimerais rappeler, ramener à la mémoire de ton enfant qui a besoin d'entendre cette promesse? Seigneur Jésus, fais entendre ta voix ce matin. Réchauffe nos cœurs. Viens vers nous. Attire-nous à toi, Seigneur, à nouveau. Gagne nos cœurs, Jésus. On a besoin de toi. C'est ce qu'on confesse ce matin. Sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, Jésus, on n'y arrivera pas. Mais on veut s'attendre à toi. Et je te prie, Seigneur, en ton nom et pour ta gloire. Amen.